Et bonjour à tous, c'est et on se retrouve pour le 25ème épisode du Let's Hide. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super parce qu'aujourd'hui on va faire un épisode assez fun. Donc, euh, je parle super vite, je sais, mais ça m'éclate. On se retrouve à l'usine à neige qui marche toujours aussi bien, je vois pas pourquoi elle déconnerait. On va faire un petit tour à l'usine à mode qu'on a fait dans l'épisode 22 ou 23. Là voilà, vous voyez que ça produit assez bien quand même, tranquillement. Hein. On a juste après à aller distribuer les drops qu'on a. Et ça va extrêmement vite, donc vous voyez... Hein. Petite ferme à bob, sympatoche, voilà un petit creeper qui tombe, c'est gratuit. Voilà, voilà, donc, aujourd'hui quand je vous dis qu'on va faire un épisode assez fun, on va faire du parcours. Alors, du parcours, dans du Let's Hide, vous allez voir. Je ne sais pas encore si je vais appeler cet épisode euh, Redstone ou secret, mais je pense que je vais mettre secret, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et on va faire en fait un ascenseur, avec des slime blocks ici, mais un ascenseur quand même assez fun. Donc, juste avant d'aller faire ça... Je voulais vous dire que j'avais été faire une séance de minage énorme à l'usine euh, à sorcière en fait. Donc en dessous pour torcher un peu la zone. Et j'ai récolté des quantités astronomiques de charbon. Donc vous voyez, là j'ai 9 stacks de minerais. Hein. J'ai à peu près chopé 1 stack d'or. J'ai récupéré 4 stacks de fer. Donc vous voyez, c'est énorme. Aucun diamant malheureusement. Et 2 ou 3 stacks de redstone. Donc ça, c'est pas trop mal. Il va falloir que j'aille encore euh, retourner au marais pour. Euh, récupérer quelques boules de slime, mais vous ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Entre temps, j'ai aussi fait cette map, donc il nous montre un peu notre niveau. Donc vous voyez, on est sur la petite flèche qui est là, donc ça montre un peu ce que c'est. Ça occupe le mur, je trouve que c'est sympa. Et j'ai écrit, donc juste en bas, Let's Hide, donc c'est fait avec des dalles en netherrack, mais ça s'affiche en gris. Donc ne me demandez pas pourquoi, vous voyez, Let's Hide, s'affiche en gris. Enfin bon, c'est sympa. Fait une petite signature, hein, j'ai fait ça juste au-dessus du spawn parce qu'on spawn à peu près par là dans le monde, je crois c'est cette montagne donc voilà à peu près euh, où on est donc euh, je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça super sympa en tout cas ça rajoute énormément de couleurs à chaque fois que je rentre j'ai l'impression qu'il y a un creeper qui me regarde donc bon je vais vous montrer encore quelque chose, je vérifie que j'ai bien ma torche de redstone c'est ceci comme j'avais un peu trop de blocs de charbon hein. j'en avais 3 stacks mais ici il y en a 6 stacks et 31 donc c'est un chiffre énorme donc juste avant d'aller faire le parcours je vais vous proposer une petite time lapse alors si vous voulez vous pouvez essayer de mettre dans les commentaires le nombre de charbon que je vais récupérer donc euh, c'est inspiré totalement de Mumbo jumbo hein, je le reconnais mais euh, si ça vous dit vous pouvez le faire hein. voilà donc euh, c'est parti pour une petite time lapse avec de la musique et on se retrouve à tout et on se retrouve non qu'est ce que je raconte et on se retrouve tout à l'heure voilà à tout de suite On se retrouve, c'est enfin fini. La barre de fin vient juste de tomber à zéro. Alors déjà, j'ai récupéré 4 niveaux, mais de 27 à 31, donc c'est déjà un, un sacré nombre d'XP. Et on va tout de suite voir combien de charbon j'ai récupéré. J'espère que vous avez été dans les commentaires assez nombreux à répondre. Attention! Et c'est absolument énorme. On a récolté, donc je le classe rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Presque 15 stacks de charbon <coughs> à partir de 6 stacks et demi de minerais. Hein. J'avais exactement 6 stacks et 31 de minerais. Donc c'est absolument colossal. Je ne sais pas ce que vous imaginez, tout ce qu'on peut faire brûler avec ça. C'est gigantesque. Donc euh, maintenant qu'on a fait tout ça, je vais aller m'occuper des crafts de la redstone, parce qu'on va en avoir besoin de pas mal. Et on va se retrouver pour créer notre petit système de trucs enfin de parcours sympathoches et j'espère que ça va vous plaire voilà. Donc on va regarder d'abord combien de blocs de charbon on obtient, ça c'est toujours la petite curiosité. Hop. On obtient Allez, dites-moi qu'on on en fait neuf avec ça, c'est parfait. On obtient ouais voilà, presque deux stacks de blocs de charbon donc c'est gigantesque comme je disais et ça nous en fait déjà 6 stacks donc c'est Énorme, sachant qu'il nous reste encore... Euh, tout ça, enfin bref. Le charbon, on est tranquille, voilà. Donc, euh, je ferme mes crafts et on se retrouve pour la partie fun de l'épisode. A tout de suite. Donc, on se retrouve, et juste avant de commencer un peu l'ascenseur, on va parler de ces deux usines. Donc, j'ai fait un fix à l'épisode précédent qui ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que je me suis fail. Donc, merci à Mr. PTB45, ou Monsieur PTB45, de m'avoir aidé, enfin, de m'avoir... Euh, Dit qu'il y avait un fail parce que sinon je ne l'aurais jamais vu. Donc effectivement, la technique des deux sticky pistons ne servait à, à rien du tout. Donc ça m'a permis de les récupérer dans une première partie. Et on va faire un fixe bien plus efficace auquel je n'ai pas pensé plus tôt euh, alors que c'était évident. Le système de reset en fait fonctionne avec les hoppers. Donc quand il y a un item qui transite dans les hoppers, ça va réinitialiser le système. C'est exactement ce que ça va faire. Donc ce qu'on va faire <coughs> pendant que je perds ma voix, c'est ici on va placer deux dropper, donc ils vont être placés, alors il va falloir que j'arrive à les mettre vers le haut donc j'ai ma silk touch voilà on va récupérer tout ça zut donc il faut des droppers vers le haut comme ceci dans lesquels on va mettre des blocs, donc moi je vais mettre de la cobble parce qu'on en a une flopée on va un peu reboucher et on va devoir les alimenter. Ça, ça risque d'être un peu plus empiquinant. Euh, Passer par là, mettre un bout de stone. Tac, ici, on va mettre. Ça permet de mettre ça. Ensuite, on a donc deux tables de craft là. On a aussi du bois qui vient jusqu'ici. C'est à dire que le bouton est là, donc on peut mettre de la redstone comme ceci, et en fait on va pouvoir même en mettre là, et ça nous permet de remettre un bloc de camouflage ici, on va remonter par là, hop, ensuite je vais reboucher tout ça, comme ça, hop, la slab qui va bien ici, ensuite j'ai mes couleurs, très important les couleurs, on va mettre un bloc en dessous quand même. Ici et là. Donc ça. Ça. Et ça. Le vert. 1, 2, 3. Donc 3, 4. Et enfin le bloc. Voilà. Donc là, le fixe est vraiment fine puisque, comme vous le voyez, quand on va tirer, en fait, ça va envoyer un signal ici. Et réactualiser. On voit très bien ici que, hop, on envoie un signal dans les deux. Et en même temps, les blocs de cobblestone remontent ici. Donc voilà, on a à peu près deux stacks de réarmement en cas de besoin. Donc, on est tranquille. Donc, maintenant, cap sur le parcours. On va tout de suite commencer. Ça va se passer ici en fait. Donc, je vais un peu abattre la structure ici. Parce que ça va être un système qui va faire 3 par 3. Donc, au niveau de l'intérieur. Je dis bien de l'intérieur, pas de l'extérieur. Au niveau du design, on aura donc des bûches et des planches. Donc, bien sûr, des planches de spruce, comme dans tout le Let's Hide. Des bûches qui viendront en fait euh, créer un effet d'ascension. Donc, pas dans le sens du bois classique, mais dans ce sens-là. où ça, ça fait plus écorce de bois long. Et ensuite, au sol, on va venir placer, donc en alternance, bien sûr, comme ceci. On va mettre aux quatre coins d'abord des, des planches de bois. Et au centre, on va refaire l'ascenseur qu'on avait fait dans le laser. <laughs> Sauf que cette fois, au lieu de mettre de l'obsidienne qui est assez moche, on va placer des notes blocks. Les notes blocks ne sont pas bougeables par des pistons. Donc c'est un peu cette propriété phare qu'on va utiliser. On va ensuite venir mettre un sticky piston qu'on a récupéré donc, à l'usine à Citrouille et à Melon. Hop. Le couplet ici, donc il va falloir que je cache ça aussi un repeater. repeater, qui est là, qui est placé à 4 ticks, et dans lequel on va mettre, enfin juste en dessous, on va mettre une poudre de redstone, on va replacer des planches sur le dessus, très important de mettre une planche, une dalle ne laissera pas passer le courant, hein. et vous voyez qu'on est propulsé donc, par ça quand on sera dessus, donc ici ça, et ensuite un autre bloc. On va essayer rapidement. Voilà, vous voyez, on est propulsé en haut, mais là on voit pas grand chose. Ensuite, donc pour continuer, on va monter de 6 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je creuse et on continue le système. Donc on se retrouve après une toute petite ellipse. J'ai donc euh, créé les murs et je suis monté de 9 blocs. Donc 9 blocs, ça nous permet de monter aisément. Vous voyez qu'on est propulsé assez haut. Donc, on va partir, comme je vous avais dit, de 6 blocs en hauteur, donc, les 6, c'est parfait, donc, à partir d'un coin, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et au niveau du 6 bloc, donc, on va aller entailler notre tronc, ici, va, enfin, je vais redescendre d'un bloc, en fait, hop, et, pareil, les 4 coins aux alentours, donc, ici, et là, on va replacer, donc, un sticky piston avec un slime block et quatre notes blocs. 1 2 3 4 et pour alimenter tout ça, on va placer des tripwires Donc on va le placer deux blocs au-dessus du slime block. Pourquoi Parce que si le fil qu'on va placer là en fait rentre en contact avec le slime block, donc si on le met à ce niveau en gros, il va être euh, explosé. Donc ça marchera pas. Si le fil est devant le slime block, même problème, donc on est obligé de le mettre au-dessus. Et pourquoi contre le mur parce que en sautant, on va être propulsé contre le mur. Nous sera plus discret et surtout plus efficace. Donc ensuite, on va partir en dessous et sur le côté et on va devoir alimenter le piston donc qui est là. Donc le mieux enfin moi ce que je pense c'est d'alimenter quand même le bloc qui est là. Donc à partir de ce bloc là, rien de plus simple. Vous faites simplement comme ceci un truc en redstone. Donc un fil là, tac, 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 et c'est réglé, vous avez fini votre système d'ascenseur. Donc on va sortir de là. S'extirper assez facilement. Vous redescendez. Vous récupérez tous vos matériaux. Donc vous voyez que ça ressort, ça ressort assez bien au niveau du design. Hein, c'est assez simple. Je vais mettre après des torches, des lampes, vous, voyez, vous verrez, hein, je ferai un étage. Et ça va nous permettre en fait d'avancer tout droit. Donc à la, au bout du couloir en fait. Et hop, on se retrouve à l'étage au-dessus de nous. Vous, voyez, vous avez juste à faire un demi-tour, donc c'est un peu stylé, ça fait un peu un rebond contre le mur. C'est pour ça que j'appelle cet épisode Parcours Pro. Donc euh, donc voilà. Donc là, maintenant, je vais faire un sacré bout de déco. Je vais aménager un peu la pièce au-dessus. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais ce euh, devrait le faire. Je vais finir en tout cas la cage d'ascenseur. Et on va euh, terminer cet épisode, voilà. Donc euh, encore une ellipse et à tout de suite. Donc, on se retrouve devant l'ascenseur, donc au fond du corridor. On va avancer jusqu'au fond et on va l'emprunter une fois que tout est terminé. Sans exception, hein, tout est fini. Hop, un petit demi-tour, 180, et on arrive dans une salle de Let's Hide, donc qui est à peu près reproduite. Donc, ensuite, je ne ferai pas un étage tout con avec le, le même design. Je fais juste ça ici pour reproduire, parce que je trouve que ça fait stylé un peu, ça fait un peu de téléportation. Mais ensuite, les trois pièces qui partiront par là, je pense qu'elles seront beaucoup plus aléatoires. Plus comme une, euh, je sais pas, une maison, une résidence euh, personnelle où je pourrais vivre. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'usine ici, sauf en cas d'extrême nécessité. Voilà, donc ça, c'est dit. Donc maintenant, pour terminer l'épisode, comme il est un peu court, hein, on n'est qu'à la 13ème minute, je pense. J'avais envie de faire un enchantement déjà, parce que grâce au charbon, j'ai récolté 32 niveaux. Et aussi un petit world tour, donc pour vous présenter un peu tout ce qu'on a fait dans l'épisode. Avec les numéros, etc. Si vous voulez les regarder. Alors, on va commencer par le fond. Donc, ça, c'est l'épisode 22, 22 exactement. Donc, c'est une usine à mobs. Donc, un modèle dito. Donc, épisode 22. Ensuite, ici, il n'y a rien. Ici, c'est une salle des potions. Donc, salle des potions, épisode 23, dans laquelle on a mis donc, une simple, simple salle des potions avec des interrupteurs à plaque de pression et une redirection vers ceci. Ensuite, oh, bug d'affichage énorme. Ensuite, une usine à neige qu'on a construite dans l'épisode 24, donc un ascenseur dans l'épisode 25, que vous êtes en train de regarder. Une usine à wart dans l'épisode 21, épisode qui a été euh, un succès phénoménal, parce que j'ai eu une, une, quarantaine de, une cinquantaine de vues, je pense, et euh, un nombre de commentaires énorme, donc je vous remercie hein, beaucoup pour le support sur cet épisode, comme quoi, ça fait plaisir. Ensuite, ça, ça doit être l'épisode 17, 16 ou 17, du recyclage, je pense, l'épisode 17, donc euh, des poubelles, tout simplement pour tout vider, si on a des goodies en trop, etc. etc. Ensuite, ici une usine à moutons, donc l'épisode pareil 16 ou 17, je ne sais plus dans quel ordre je les ai fait. Ensuite, une usine à poulet, donc ça c'est plutôt l'épisode 14, donc c'est encore avant. Une usine à citrouille, épisode 13 je pense aussi. Enfin, j'ai fait l'usine à citrouille, mais j'ai après reproduit l'usine à melon. Une usine à cactus, donc ça c'est l'épisode euh, euh, 4 ou 5 je crois, je sais plus. Usine à des sucres, ça c'est l'épisode 1, j'en suis sûr. Le robinet, c'est l'épisode 5. C'est un robinet automatique, hein. on met un seau ça nous ressort. On met un seau vide, ça nous ressort un seau d'eau. Ensuite, on a la table d'enchantement, le portail que j'avais déjà fait. On a fait ici une usine à stone brick qui doit correspondre à l'épisode 10 ou 11, je ne sais plus. Mais voilà, donc ça permet en fait de faire un peu tout ce qu'on veut en stone brick. Hein. Donc euh, là, c'est la stone brick, là c'est la chiseled. Là, c'est la moussie, etc., etc. Et là, c'est pour cuire, donc, de la craquette et de la stone. Voilà. La carte, pareil. Ensuite, euh, donc, la porte secrète 3x3 épisode 3. Je vous la montre. Hop. Et il y a une, une torche qui est là-bas. Ensuite, ici, dans l'épisode 2, on a fait une entrée de mine secrète. Dans l'épisode 12 ou 13, on a fait ce tunnel qui descend euh, et qui permet d'accéder... Euh, au sud enfin au sous-sol de la base. On a fait dans l'épisode 13, ça j'en suis certain. Cette grande salle des coffres qui nous permet de stocker euh, des quantités astronomiques de cobblestone, de stone, etc. etc. Donc l'utilise assez souvent mais je mettrai du temps à la remplir. Donc continue sur notre petit tunnel. Donc là c'est l'accès à la mine. Donc on récupère un peu la porte secrète qu'elle a avec un, un tripoyeur qui l'active également. Donc ça c'est ma mine. Un four automatique qu'on a fait dans l'épisode de ou 12, 12 je pense, enfin, je sais plus, enfin bref. Donc avec un, une alimentation sur le côté en charbon. Donc continue ici. Là on a une porte secrète que je n'avais pas fait en épisode parce qu'elle ne voulait pas marcher. Donc euh, elle a été faite, euh, elle était présentée dans l'épisode du tunnel je pense. On a les écuries qu'on a fait dans l'épisode 9. Donc c'est. Oh, les chevaux ont disparu. Je me disais qu'il manquait quelque chose. Les chevaux ont disparu. Je n'ai plus de chevaux merde alors bon bah va falloir que je retourne chercher des chevaux déjà que j'en avais tué pas mal ensuite ici on a une porte engravée donc ça c'est l'épisode 8 ou 9 donc 8 je dirais donc pareil on peut sortir avec un flip flop et bien sûr on peut rentrer donc avec enfin refermer avec ici voilà un truc à torche ensuite en hors caméra moi j'avais fait ici un un spawner à zombies, donc qui est activé, je me demande pourquoi. Voilà, on va le réactiver, enfin le désactiver. Donc c'est le même modèle que le spawner à squelette qu'on avait fait dans l'épisode 7 et 8. Donc un spawner optimisé et euh, un grinder. Ici, c'est un accès pour une espèce d'usine à slime, donc c'est juste des grosses plateformes. Je ne sais, sais plus si je vais le montrer ou pas, mais bon, c'est pas encore terminé, il faut que je trouve un design. On a fait aussi. Alors, on va vite rentrer pour éviter l'autre copain, le creeper. Enfin, non, on va le tuer. Vous savez quoi Voilà, ça c'est fait. C'était juste. Hein. On va rentrer. Hein. On va éviter tous ces mobs. Refermer ici notre porte en gravier. Et on va remonter. Hein. Donc, après, dans le Nether, on a une Gina Blaze. On a le Nether Hub. C'était l'épisode 17. Et Gina Blaze, épisode 20 et on a aussi plus loin une à sorcière, une à sorcière qui était l'épisode 17, je pense. Donc euh, donc pas mal de choses dans ce Let's Hide qui compte déjà 25 épisodes. Donc euh, si vous voulez regarder la playlist, vous avez une euh, ouais, voilà, vous avez un lien dans la description ou sur ma chaîne, c'est ma plus grosse série, donc on va dire comme toutes les autres sont petites. Euh, voilà, c'est la série principale en gros. Donc euh, donc voilà. Donc euh, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En cas, moi, là, franchement, j'ai pris plaisir à le faire parce que c'est toujours un petit truc fun de jouer avec les slime blocks. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ou mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'épisode, ça m'aide à, à améliorer le contenu, hein, clairement. Il n'y a rien de mieux. Si vous n'avez pas aimé l'épisode, mettez un commentaire pour me dire je n'ai pas aimé l'épisode. Et, et expliquez-moi pourquoi, surtout. Voilà. Donc, euh, c'était Let's Craft en Volt et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 26 du Let's Hide. Salut à tous